mitan problème coronavirus ça qui concernait de Basilea, gen on l'autre problème qui concernait nous c'est rivière Massacla. Rivière Massacla son rivière historique, nous songer à partir de qui ça non Massacla yo kembel jodi a, mais l'état haïtien décidé entreprendre un projet sous bord haïtien qui pourrait permettre plusieurs milliers hectares de terre et arroser, mais nous dominicain yo repié dans journal dominicain au matin gon menace même gouvernement dominicain en fait à l'endroit des autorités haïtiennes. Nous te souhaité parler dans cet espace ça soit à représentant haïtien dans Santo Domingo, ambassadeur Smith Augustin nous relève nous pas joindre ces ministères agriculture qui a géré rivière yo dans le pays d'Haïti, autorité yo pas vraiment communiqué sous conflit ça, mais en attendant c'est dominicain qui a frappé. Qui ça journal dominicain yo dit à côté de menace ça gouvernement dominicain fait à Haïti concernant façon li décider utiliser partie qui dans rivière Massacla. Hier après-midi pendant que Abinadel était venu inaugurer un centre qui vient dans zone Porta Cana, et bien hier il dit et si l'État haïtien eh bien pas prend résolution pour camper construction mien ça construction canal ça dans rivière Massacla, eh bien dans quel dans jour qui vient là l'État va avoir une réponse drastique. Ça veut dire drastique. Oui, exactement. On réponse que Haïti pas remet. OK, c'est ça ça veut dire dans journaliste diario. Quand il y a là qui ça gagne c'est que la Dominicaine t'a signé accord avec Haïti en 1929 côté d'état en accord. Rivière a pu utiliser, il faut que les deux mettent ensemble avant que vous utilisez rivière. Il n'y a pas d'autre utilisé, mais il y a une forme pour faire. Et l'État haïtien est rentré en gros poignette. En gros poignette, ça ne veut pas dire l'État dominicain. Et d'abord, Saint-Domingue, ce n'est pas un ministre de l'Agriculture qui gère rivière. Saint-Domingue, c'est l'armée avec l'environnement qui gère rivière. Eh bien, on pourrait autant de fois que l'armée dominicaine, il y a campé devant rivière. Ça veut dire qu'il y a tant de messages président, il y a tant de plusieurs manifestations faites d'Arabon Boussa, il y a tant de ministère de l'Environnement dominicain en contact avec le président 24/24 et il y a gardé. Mais pour autant, nous-mêmes, pas ici là, pas aucun Paul qui dit, et ministre de l'Agriculture haïtienne, non, pourquoi je ne dis rien, ça qui a pensé, et ça qui est capable de dommager les relations dominicaines dans le moment où on est non seulement côté haïtien, c'est au jour le jour, des milliers haïtiens viennent camper devant Portio pour aller acheter bananes. Les citrons manger pour venir à Haïti parce que pas rien chaque jour après ça au contraire les dominicains pour qu'on reporte là ou après voyez wash puis forcer reporte là et sans son mesure pour l'état haïtien tacher ta sous dit bien que nous connaissons c'est vrai mais faut nous faire un peu attention parce que malgré ça yo qui pas ca aller qui pas gain copier acheter oxygène mais oxygène nous c'est manger ou manger seulement et bien si ça t'a vienne aggraver alors message président Abinadel Balla c'est un message qui vraiment et limite les en pile étude et pas connait est-ce que président ou est-ce que le ministre de l'Agriculture haïtienne attendait nouvelle ça? C'est que le président dit comme ça. Si Haïti n'a pas campé, eh bien, la constitution ça, eh bien, dans le prochain jour, il n'y a pas Haïti, une réponse qu'il n'y a pas prémé. C'est ça, bien, elle dit après-midi avec les journalistes. Listen, Diallo. Ou même qui traitait Haïti et République Dominicaine, qui conclusion Alexander Galvez dans le dossier ça, et puisque Dominicain qui partageait rivière là avec Haïti, ils ont utilisé lui-même pour capable développer l'agriculture la caillou, et puis là, nous-mêmes, nous choisis pour nous utiliser partie par nous pour développer l'agriculture, non, puisque l'information dit avec captail ça, ça pourrait permettre plusieurs milliers d'hectares de terre à oser. Dominicain a levé pied. Ça passe, pour qui bon, ça? Premièrement, ça, moi, ok, bien content, merci pour la question. Hein. Est-ce que pleinement, il va où, côté de ça, là, est-ce que c'est pour le peuple là, réellement capable de joindre, accès pour planter, faire manger? Est-ce que de l'eau ça a pas permis de planter du riz? Parce que puisque nous connaissons Haïti, qui te dit qu'il y a eu la zéro, mm-hmm. Est-ce que c'était vrai? Quand si c'est intérêt pour le peuple. Pourquoi je mettais en question bon, des matchs là? Hein. Parce que moi, je suspecte que du riz Haïti a été dans la mer planté dans le bateau. Parce que tu as planté dans terre, hein? Moi, je suis d'accord. Non, mais si peut-être ça pourrait aller dans le sens pour nous réduire la quantité de riz dans le pays importé à l'étranger. Okay. Nous pouvons reconnaître pour qu'il y a. Bon, ok, si c'est dans le sens ça, mm-hmm. nous avons fait la tribune là. Mm-hmm. Si c'était pour ça vrai, Pierre René, Gueye du Seul, moi, je pensais que l'État haïtien a pensé d'abord la Tibonite, que nous avons l'eau là même. Nous avons du riz là. Après, je pensais que ça, mais au contraire, et à quoi qu'il était signé en 1929 là? Haïti te signé à cause ça. C'est ça que moi dis non. Il y a plusieurs papiers nous signer. Nous avons rejeté. Mais nous n'avons pas rejeté rien pour nous. Quand il faut nous, est-ce que c'est un intérêt personnel pour favoriser un monde seulement ou est-ce que c'est pour le peuple là? Parce que depuis Haïti créé jusqu'à aujourd'hui, là, dans le bon fond, c'est ça. Pourquoi j'aime rien
rien même qui fait peuple là jamais. Si je dis là, alors je reviens Moïse ensemble avec le ministre de l'Agriculture. Si vous considérez mon nan zone nan mérité manger, bravo, mais attention, ça veut dire il revient à l'État pour l'État être capable de dire avec qui intérêt. Ok, yo mette non seulement sécurité moun yo nan zone nan en danger, est-ce que c'est pour faire moun plaisir? Parce que pas oublier, les pouvoirs pleinement va ouvrir la voûte, li ouvri, et c'est dans l'époque ça même, dans le moment ça même, le président prend chance li pour ouvrir ça sans que yo pas ouvrir akoyo. Est-ce que le président, pendant le président, il y a un monde qui dit président, est-ce que vous li akoyo sa ou te signé? Il y a un oublié. Même ministre de l'Agriculture, il y a un monde qui dit akoyo, il y a un monde qui tout, mais dans le sens ça me dit ça, si son intérêt pour le peuple là, moi même, n'akoyo président, bon, n'a pas négocié, parce que l'eau est pour le peuple là taillé, mais c'est pour particulier. Là, je dis président, il faut t'en garder. Parce que si on était au peuple là, ok, mais si on était au peuple là, si tout a planté du riz, moi je crois que nous avons la plaine de Cal, la plaine de Tobek. Là, et nous avons de la Tibonite qui soif planté du riz, ça a gagné de l'eau la Tibonite. Je pense que c'est là d'abord. C'est ça qui fait dans le sens de nous. Faut nous-mêmes, comme journalistes, nous pas étudié le dossier ça que nous parce que. Est-ce que Saint-Domingue n'a pas gagné un qu'un barrage lui-même sur rivière là déjà? Oui. Non, il n'y a pas gagné un barrage sur rivière. Il n'y a pas un barrage sur rivière. Non, non, il n'y a pas gagné un barrage sur rivière. Ça, Dominicane, jusqu'à jeudi à là, il n'y a pas encore utilisé en termes de l'État. Ça veut dire qu'il y a des mondes dans la zone, eh bien, qui prennent de l'eau. Mais ça va barrage, je gagne. Il va barrage, je gagne. Ça veut dire que Jean et l'État ici a préparé barrage ça. Alors, c'est pas dit Dominicane, il n'y a pas fait, mais l'État ici est supposé encore parler avec l'État. Parce que son accord. Mais pourquoi dernièrement, il a parlé? Bon, il n'y a pas de rien. Au contraire, le ministre des Affaires étrangères a été énervé. Il dit comme ça, bon, ma quitte Haïti, fait ça, l'aile bouquet la campée. Hier encore, le président, retourné encore sur le massacre là. Qui sont problèmes, moi, encore pour mon nom dans la pied, parce que mon nom dans la pied, même, il n'y a pas de gens en rien de l'État. Alors, vie au Sénat frontière, et au jour le jour guerrier, on pourrait combien de milliers de machines qui viennent piler devant la porte de la mer dominicaine et attendent pour ouvrir la porte de la pierre, puis ils viennent acheter. Qui ça vient acheter? Ça vient acheter, c'est manger nous-mêmes notre caméra en Haïti. Mais nous pas fait ça, nous pas fait. On pourrait venir acheter fab et savon et détergent, ils viennent acheter mistoling, ils viennent acheter carottes, bananes, choux, cocoyer. Ok, nous avons fait tout ça en Haïti. Alors, qui s'est passé? Est-ce que politique agricole pays a. Je ne connais pas si c'est un bateau qui est. Est-ce que tout dit que c'est seulement dans la mer qu'il a planté ou un bateau a venu avec des milliers de tonnes de diris et à granelle qui viennent dans le sac pour nous? Est-ce que ça nous a besoin? Mais je connais. Si l'État ici réellement, il faut faire pour Haïti. D'abord, il a commencé la plaine de Caille, la plaine de Tobek et encore la plaine de la vallée de la Tibonite qui a un paquet de l'eau, un paquet de terre, pas fait un boulot. Et qui sa convention a dit, écoutez, Haïti joint. Référence hein, pour les agir sous rivière là sur les dominicains yo même si nous prend fait confiance à l'information yo même espace ça yo pas utiliser li nous pour aller chercher un éclairage sur dossier ça avec journaliste même Javo qui travaille sur Haïti à République dominicaine Yves Marie Chanel. Bonjour, nous comptons rejoindre nous concernant problème qui gagne sous rivière à massacre là et côté Haïti et Dominicain ou pas Antonio et c'est un conflit qui cap déboucher sur un conflit diplomatique et ou même comme journaliste qui sont capables d'une comme information en plus sur problème ça qui gagne jeudi à sous frontière entre Haïti et Dominicain. Pas un problème sous frontière, c'est sous question ça pour moi un problème qui était dans l'ordre administrative et diplomatique. Bon, les gens qui ont des problèmes frontières, les gens qui ont un groupe nationaliste qui ont manifesté pour dire que, bon, il y a revendiqué souveraineté sur la question de l'utilisation de l'eau, la rivière Massacre, prétextant que de l'eau a sorti la caillou et que le viré que Haïti s'est dévié. Alors, en différence, Dominique Rogontez a mis dans les médias qui parlait de déviation de la rivière du Massacre. Ça veut dire que vous prenez l'eau, vous faites le saut dans le cours naturel pour voir la caillou, la rivière pas tomber dans l'embouche du massacre encore. Ce que si Haïti a fait le tabac, c'est grave au point de vue question écologique, parce que il y a des mangroves qui existaient dans la baie de Massenine du côté haïtien, la Boca del Massacre, que si tu as dévié de l'eau, il va arriver là, il a pris un pack sur mangrove avec fonds marins, avec tout. Et flore maritime dans la zone de Massenine. Mais le problème qui vient dans la question, fondamentalement, Haïti fait une tentative de discussion avec Dominique et Rose pour question que tu as expliqué techniquement, mais
gon opacité, manque de transparence. Il y a deux situations constatées. C'est que Dominicain, il y a une diffusion massive d'informations sous question, bien que l'information a diffusé et dire erroné 100%, mais il y a une bonne partie de manipulation là-dedans. Bon, du côté haïtien, même pas d'information du tout. Gouvernement Baba et médias, les journalistes parlent, cherchent information sur la question de massacre, qui est très grave pour arriver à équilibrer la question. Pas de équilibre dans la question d'information, il y a l'impression que l'autorité en Haïti tout non plus. Parce que j'en ai fait un pile tapage. Bon, ici, il a fait tapage sur la rivière Marion, barrage, il a fait tapage par un pile sur la barrage qui est dans la zone de rivière du Nord. Que a fait, mais pas je m'entendais vous parler de canal ça a dit à fait dans la rivière massacre là. Or, il y a un député et parti qui est sous pouvoir République dominicaine qui dit que travail ça c'est pas gouvernement haïtien qui a fait, c'est un entrepreneur qui ça un artiste qui pas cité non qui proche matériel avec Jovenel Moïse qui a fait travail là pour arroser que il gagne dans zone nord-est là. Donc ça veut dire que moi, je pensais que il est temps que le ministère de l'Agriculture ou bien le ministère des Affaires étrangères en Haïti est capable de poser clairement et bah, information qui est claire, qui est correcte sur qui ça a fait exactement. En fait, le conflit à Wapalea, c'est que Dominique a dit que Haïti a dévié la rivière. Donc, il y a une différence entre point pour y sur la rivière et dévié la rivière. Donc, ça veut dire que l'erreur que tu as fait beaucoup de Haïti, là où tu as pour travail, j'ai l'impression que pas averti Dominicain, il pas aucun travail que vous avez fait préalable avec vous en termes d'informations sur ça ou pas le faire. Or, l'utilisation de ressources naturelles qui font allier, qui sont partagées par plusieurs pays, est régie par la loi de 1929 et par des traités internationaux. Donc, ça veut dire que de loi ou d'un point utilisation collective, d'autant plus que. Et il y a Dominique qui servait avec de la rivière massacre là déjà. Il parlait de plus de 4 et prises qu'il fait sur la rivière massacre là. Même quand on a créé le canal Veterano, le canal Salim, il prend de l'eau, il peut être dans la zone de la Vigia, qui est en dehors de la ville de Dabon, et côté de la bonne plantation. Donc il y a deux barrages qui branchent sur la rivière là, c'est ça, vous l'avez dit? Des prises. Prises. Canal. Canal. Des prises que vous prenez sur la rivière. C'est comme si vous faites. Vous connectez, vous entrez sur la rivière et vous prenez de l'eau besoin pour aller aux états. Mais c'est pour un barrage lié. Parce que il va faire barrage sur la rivière. Si vous faites un barrage sur la rivière, ça c'est deux pays que vous avez fait. Mais rappelez-vous, vous avez pitié de temps de Duvalier qui a inauguré ensemble avec le président Guzman. Il y a un barrage sur le barrage répartiteur des Pédernales. C'est un barrage qui fait sur la rivière Pédernales dans la zone de Sapit. Et de l'eau, il fait barrage entre deux pays, et de l'eau partagée entre deux pays pour aller arroser dans chaque pays. Donc ça veut dire que c'est des ententes qui font, si tu as un barrage pour faire entre deux pays. Même genre, route internationale, là, si tu as construit, c'est des ententes qui sont pour faire entre deux pays que tu as fait. Donc c'est une situation de guerre. Même nous, que y a une situation d'autorité, que nous toujours souffrons de l'IA en Haïti, que nous n'avons pas de représentation. Nous manquons de représentation qui fait que, quand des fois, Dominique a pris avantage de ça. Puis vous mettez pieds sous cou haïtien. Yo. Même les Haïtiens ont raison, j'ai l'impression que des fois Dominique travaille en façon pour montrer que c'est eux qui ont raison, ils travaillent en façon pour influencer les décisions en faveur. Qui est normal parce que c'est un pays à défendre. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas gagné monde pour banquer monde qui a fait. Bon, depuis le temps, débat, ça a parlé là. J'aime dans des autorités haïtiennes qui j'aime parler de ça en Haïti. Parler de ça. Chaque jour, vu Dominique, nous avons un article qui sort dans le journal. Il y a au moins deux reportages importants. De journalistes, les journalistes, ça c'est important dans le pays. Nous, il y a Pierre a fait un gros réalisé sur le bagage. Il y a d'autres journalistes encore, il y a d'autres médias, il y a une chaîne à parler de journal qui chaque jour après article, tout ça. En Haïti, là, après ça, ils ne sont pas intéressés. Journalistes haïtiens ne sont pas intéressés. Le gouvernement haïtien n'est pas presque intéressé. Donc, Dominique a été en réunion avec l'autorité haïtienne, il y a des commissions, une commission technique qui défend une présentation de travail d'affaires et qui a été signé un document qui a dit que bon, il n'y a pas aucun problème. Mais après, les monsieur nationalistes sont venus sortir pour faire leur bail. Ils ont accusé le président Abinader avec le ministre des Affaires étrangères, Roberto Alvarez. Donc, Alvarez, une tâche en bac
Et puis il dit que il mandait que travailleur d'accamper en attendant que reprenne discussion sur question. Merci. Pas camper d'après ça était fait connait mais qu'on est à fond dans le chercher nous-mêmes en tant qu'haïtiens. Premièrement, est-ce que techniquement bah la répond à ça je dis à puis deuxièmement qui est-ce qui a fait le tout parce que nous pas dans une situation que des discussions qu'a fait au niveau international et que on travaille comme ça fait. C'est là pour bénéficier en particulier, au lieu que son travail qu'a fait pour la communauté haïtienne, pour les planteurs dans le Nord-Est, dans zone, toute zone Maribao, ou bien dans zone Ferrière. Donc, c'est pas un individu qui a levé la fond. On travaille, et puis pour l'État haïtien à financer, ou bien l'État haïtien, c'est dans discussion avec l'autre pays pour peut-être un individu. Donc, ces questions, c'est la même chose qui porte le réponse. D'autant plus que nous avons un député dominicain. PRM qui font accusation que Canal là sont amis, ils bien dit sont artistes, qu'ils ont mis ancien président Matéli avec Jovenel Moïse, et qui a fait Canal là pour aller oser et plantation Yogan Dui. Merci beaucoup Yves-Marie Chanel, journaliste senior, hein, qui était avec nous sur le dossier ça, bon, qui intéressait d'ailleurs, c'est pour ça nous reléons. Et malheureusement, parti haïtien pas communiqué vraiment parce que nous pas joué d'information de officiel. Alexander Galvez, merci. Merci Galvez. Ou qu'a fait de nous, Galvez? Parce que maman, bon paysan là, qui est dans la zone là, qui développe pour ton précision, et après peut-être ou capable de conclure. Comment non? Oui, alors bonjour. Bonjour, Gagné Dussel. Bonjour Radio Caraïbe, bonjour Galvez, bonjour tout à bien aimé. Je salue Patrick Monsilla qui est porté à Radio ça. Salut Bob C. Donc nous on va la mettre et la belle situation au jour le jour. Et maintenant, laissez-moi parler un petit coup de parole avec Galvez. Pour me dire Galvez, est-ce un traditionnel? Galvez, est-ce un traditionnel? C'est une trahison. Galvez présente patria parce que tout pas pour nous. Raison, Galvez pas jamais venu dans la zone pour être capable de constater pour nous voir ce qui a passé là, il était le bois, la boue est montée. Oui, mais c'est la boue est montée. Bon, il n'y a pas de gagner, Galvez pas de information. Bonne moi information. On ne partage pas ce gagner ou même comme précision de préférence sur la situation. On allait. Merci, Gagné. Il y a massacré depuis longtemps, depuis le petit monde, dans les années 80, il n'y a pas de gens qui ont rien sous lui. Il y a un Dominicain qui est le Don Pedro, le premier Dominicain qui vient travailler sur frontière, qui a raison à partir de 90 ans, qui a nécessité pour gagner un barrage qui fait un massacre. Et à partir de 95, 96, 97, 98, eh bien, je viens faire, je viens faire un gros barrage, la zone Labéria. Zone Labéria, je viens faire un canal, la zone qui se bat aux frontières, la frontière à l'Italie dominicaine, je viens faire un canal là. Là, on fait canal ça, on le canal ça, canal des Agua. Là, il était seul pour être capable de voir, de tuer. Patate Nouveauté, Manioc, Mazabel, Poids Congo, tout ça nous a gagné, Maï, tout perdu, gagné, tout mourir. Là, nous-mêmes, Haïtiens, nous, on a perdu dans le panier, nous disons, pas utiliser le canal là. Et à partir de là, nous commençons à prêter du riz dans la zone. Et bien, tout le monde a coupé avec nous, avec Charlie, pour nous capables de prêter du riz. Les Dominicains, ils voient ça, ils voient qu'on a utilisé le canal là. Et bien, en 3/97, les gars tuent un jeune garçon pour nous. Et c'est chaque jour, il a tiré sur nous, il a donné nous cartouches. Il n'y a pas jamais faire pour nous. Là, il y a un canal, le grand barrage. Là, on a tiré pour nous gagner la porte, nous à côté, dans le passage officiel là. Il y a un bon barrage là. Non, est-ce que c'est canal ou barrage, les amis? Barrage, on fait même barrage comme si les rêves ont rentré avec gros drogue, notre gloire derrière. Pour nous capables de séparer le point sable, faire gros pile, pour séparer le point pour tout là, pour envoyer la caillou, la gueule, se pour aller planter du riz. Ensuite, quand il y a barré la toile du pour nous, la zone Carbonero, Carbonera, en bas Saint-Kenet, nous voulons entraîner Raphaël au sang. Nous prenons de l'eau, nous de l'eau côté paysan, contre le groupe coopératif. Nous prenons de l'eau, ma
monde qui est triste. Quand il y a paysan ça qui est coopérative dans la zone de Yac, il a perdu tout danger. Coopérative là, banane et tomate, chou, carotte, de planté, il a perdu tout. Nous-mêmes, je ne veux dire. Et c'est pour la première fois, quand il y a beaucoup fait, nous avons des canal guerrier. Dominique a voté, nous avons des canal. C'est pour la première fois, le gouvernement haïtien, moi nécessité, nous demander ça en plus, nous avons plus passé 15 années depuis le canal Stade. 15 ans pour te faire, il n'y a pas de fait. Et qu'on y a là, je vais considérer l'éternel qui crachait sous tête président Jovenel Moïse, lui dit là, ce canal là, pour nous-mêmes paysans, parce que c'est ça qui est sous nous. Nous ne pouvons pas dire d'être pas. C'est un pont particulier la fête. C'est pas ça qu'on a comme information même. C'est l'État qui fait. Zéro. Négro, c'est la petite boîte. Pour être capable de venir pour tromper de la jeunesse, l'autre monde qui a assisté à la question, qui a gardé ce bagage-là à ce temps. Vous voyez que la question des particuliers, ça, qui particulier, travaille pas de la guerre, nous-mêmes paysans, dans bas et Romaribaou, nous pouvons lancer nos activités, nos mouvements, nous pouvons faire une collecte de fonds pour être capable d'éviter. Pour inviter les journalistes Radio Caraïbes, nous avons payé un ticket d'argent pour des temps au presse, avant de pour nous. Gagner de faire payer les rêves de Bob C. Nous avons payé un ticket d'argent pour nous. Et on a fait ça. Direction générale, on a fait ça. D'accord. Ok, pour nous capables de finir. Est-ce que, par exemple, sous ça qu'a fait là, est-ce que tu as un lancement officiel qui fait, qui est l'autorité qui vient, qui est ce qu'a fait, qui entité qu'a fait dans l'État? L'État haïtien qu'a fait, et quand on a dit plus de 15 ans, Dominique est pas payé à moi, parce qu'elle était commencé à jouer, ils ont payé, ça qui est plus grave là, ils ont payé des ingénieurs. Nous avons sur le canal là, Dominique, on paye les ingénieurs l'argent pour écraser comme le pays d'Haïti pour passer au canal là. Nous, Dominique, nos anciens militaires, nos ex-sergents, qui est le Ramon. Ramon, c'est lui qui a fait tout le bagage là. Et nous sortons la canne traversée, c'est lui pour Dominique, militaire Dominique traversé avec eux, mais sur le canal là. Et nous sommes testés, nous avons cette fois que le canal ça faut fini, faut le faire. Et si l'État t'accorde nous-mêmes, avec Paul, avec vous, la deuxième mécanique pour nous piquer de l'eau, pour nous laver le plan pour nous aider de l'eau. Merci un peu les amis, merci un peu pour précision ça yo. Donc, on a fini, on a conclu, ouais, Alexandre Gavassi. D'accord. De seul, la mêlée pour gagner l'Est. Pour passer par Jimani, pour passer par l'année toute journée, pour venir à la frontière de Abouna, la tenue, pour nous aller avec nous pour la cadeau, pour la caille de la tête. D'accord, on va mettre égal vers ça à côté à vous. D'accord, merci un peu. Bon, nous-mêmes, ça nous sommes la guerre, nous même dit comme ça, si le canal là, c'est pour le peuple allié, c'est normal, mais l'État haïtien a pour devoir officiellement avertir. Pour l'État parler, tout ça. Pour l'État parler, parce que imaginez, vous pays en valet là, pour l'État en valet. C'est-à-dire que le ministre de l'Agriculture a dit bon, mais de quoi il en est, parce que toute l'autorité de l'État, le ministère de l'Environnement, l'armée dominicaine, regardez sa présidente hier, président de bon, si Haïti continue avec le canal là, il n'y a pas de prendre des mesures drastiques dans le cabine là. Ça a plaisir. Et je crois que le ministre attendait ça en matin là, bon, il ne faut pas être dans le silence, il faut le parler. Mais avant la période, le matin, je vais faire une comparaison de Ayopoyo. Et je vais regarder la Samekas, je vais regarder comment l'environnement Ayopoyo est. Les avions ont débarqué, ils ont eu la mer, bel bagage, ils ont atterri. Mon cher, je suis allé matin après le Nadé directement, travaux publics. En face, il n'y a pas comme ça. Ok? Vous regardez, les rapides tombent, c'est bateau pour prendre. Un bateau quand on tombe, pour pas marcher devant Rita, devant le port. Bon tout, non? Ok? C'est le seul pays qui a privé la donne. Et puis, première image, je vais dans mon tour, après rentrer dans l'enfer. Gon rideau poussière, ouais. Dans l'enfer, on va et puis, devant son appui, encore, mauvais bagage. En pile fatra, mon cher, moi je suis ministre de l'Environnement. Moi je suis gardé tout avec le ministre de l'Environnement haïtien, mon cher. Ou pas qu'un haïtien pour devant un porte la consalier. Et je suis gardé avant hier, ou après la police même, la police dans l'eau. Moi FADH dans l'eau, tout le monde dans l'eau. Mon cher, il n'est pas possible étant haïtien. Mais si c'est haïtien, nous sommes, que nous atterrissons. Pareil, tout devant nous. Mais si nous sommes étrangers, parce que seulement étrangers qui ont quitté Haïti comme ça, et porte là, on va avec nous.